comment ça va YouTube? Nouvelle vidéo avec Kevin, mon frère adoré. Traquenard sur traquenard ces temps-ci là. Arrête. À chaque fois on m'appelle, t'as un traquenard. Non, arrête, ça arrête. Vraiment, là, je... Écoute, tu peux expliquer ce qui s'est passé ou pas, les gars? Récapitulatif. En juin dernier, on retrouve des cassettes HI8 qui datent de quand on était enfant. Là, Henri, il me fait, ouais, on a fait une vidéo sur quand on était petit, des photos comme ça il y a quelques années. Ce serait bien qu'on fasse une vidéo sur notre enfance, mais avec des vidéos. Parce que c'est mieux. Là, je lui dis, ok, pas de soucis, il me fait, allez, trie maintenant les cassettes. Il y avait combien d'heures de rush déjà? 30 heures. Et j'ai tout trié. Je suis allé dans une première boutique pour essayer de faire transférer les cassettes, ça marchait pas, j'ai dû demander à des abonnés sur Twitter. Finalement, c'est une abonnée sur Insta qui m'a donné une adresse d'une boutique dans laquelle elle bosse. J'ai enfin réussi, après un mois et demi de galère, à transformer les cassettes. Et là, je dois me taper 30 heures de dérush. Après, tu l'avais fait pour ta propre vidéo. Tu l'as fait pour Bros. Quoi, Bros? Bah, de la vidéo pour ta chaîne. Ah bon? Ma chaîne? J'ai une chaîne, moi? Bah, Kevin Tran. Ah, non, tu veux dire Kevin Tran, yeah! Du coup, aujourd'hui, ce sera une vidéo réaction à nos cassettes HI8 de l'époque. Moi, personnellement, je les ai pas encore vues parce que je voulais me garder la surprise. Kevin, lui, les a déjà vues. J'ai vraiment hâte de découvrir ce qu'il y a dedans. C'est parti. Mais avant ça, un petit mot de la part de notre sponsor d'aujourd'hui. Oh merde. Cerise, raisin, pastèque, pêche. Est-ce que c'est Fruits te parle? Fruits, c'est une application de rencontre différente des autres, car elle te permet de rencontrer direct des personnes qui sont dans le même mood que toi. Envie de sérieux et de trouver l'amour, le vrai? Choisis la cerise et tu ne pourras matcher qu'avec des cerises. Envie d'aller prendre un verre sans te prendre la grappe? Raisin de plus. Ou peut-être que tu veux des câlins récurrents sans pépins? Dans ce cas, opte pour la pastèque. Et si tu cliques sur la pêche... Il est possible qu'on match, je... Vous l'aurez compris, avec Fruits, pas de perte de temps. Pas de je sais pas ce que je recherche, je veux juste m'amuser. Rah! Tu dis les termes, tout le monde sait. Et afin d'éviter les premiers messages du genre... Salut, ça va? Chapeau, chapeau. TFK ce soir, c'est quoi les bails? Quel projet? Fruits a mis en place une mécanique de questions juteuses. En gros, quand tu matches, l'application va te proposer de choisir une question et les deux personnes devront y répondre avant de commencer la conversation. Vous l'avez compris, le lien est dans la description. On match ce soir, surprenez-moi avec la question. Allez, bye. Bon, alors... Comme on fait bien les choses chez nous, j'ai tout trié par année, voilà, 93, 94, 95, bim, 96, arrivée du démon, 97, etc., etc. Après, il reste quelques cassettes que j'ai pas encore, mais 96, on a déjà pas mal de choses. Ok, bon bah du coup, on attaque par 96. Kevin fait prendre un bain à Henri. Maman, tu as toujours raison, c'est alien, là, si alien, là. Ça se voit, t'as peur. Donc, sois plus doux apparemment. T'es en train de mettre des tartes. Allez, je prépare ton visage pour plus tard, tu comprends. Et c'est tout? Oui, parce que après on voit ta bite. Ah. Donc, j'ai coupé. Tu veux montrer ta bite aux gens? Non, ça ira. On va rester et là. Hein. Pour ta vidéo, parce que, encore une fois, j'ai trié ça, mais que pour toi. Hein, et non pas pour la chaîne Kevin Channel. Prochaine vidéo, 3 jours après la naissance d'Henri, 1996, puis 2 semaines. Kevin étudie le chinois et joue avec Lao Lao et ses parents. Pourquoi ses parents, genre pas nos parents? Ah, la réponse est dans la question, j'ai envie de dire. Réussite. Mec, ils se ressemblent à rien tes chiffres. Ah gros, j'avais 4 ans. Mec, regarde ton lio là, il part en sucette frérot, il est en train de danser. Voilà, là les... Voilà les gars, vous... Pff, oh là là. Tu vois quand je te disais que t'étais un prototype pour mieux me concevoir, là ça se voit, t'étais foiré. Ah, les gars, moi je trie pendant 30 heures des trucs, on vient, on se fout de ma gueule. Bah écoute, oh, grave, ça va, c'est une bonne guerre, c'est une bonne guerre. C'est la seule, hein. Tchong, ça va? Le quoi, il est incroyable. Tuez-moi. Alors pour ceux qui savent pas, mais le caractère, il est censé ressembler à ça. Bon, c'est plus ou moins ressemblant. À partir de maintenant, on va faire la vidéo en chinois. Je parle chinois et Henri parle chinois et on voit qui dose qui. Non mais... Ah voilà, on ferme sa gueule là, on la ferme sa gueule là. Il est en train de vous dire un truc, il me semble que quand j'étais petit, genre la version de moi petit, elle me fume actuellement en chinois. Ah les gars, c'est trop drôle. À chaque nouvel an chinois, moi, ma mère, mon père, mes grands-parents, on attend qu'une seule chose, c'est le moment où Henri va parler en chinois. Wa yao te toi, shama shama, il croit ici, il est
perdu une Yaote. Ça n'existe pas, Yaote. Arrête, je la fais plus, cette erreur. Je la fais plus depuis 5 ans, cette erreur. Et donc, du coup. Et donc, du coup. J'ai retrouvé des vidéos d'Henri en 99 quand il a 3 ans. Je vous jure qu'en chinois, il est beaucoup plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Écoute. Non, mais là, quand tu dis la vidéo. On est là pour réagir. Tu vois, je. C'est chameau d'onzi. Quoi? Quoi? Je suis chameau d'onzi, c'est en yao, t'as dit. C'est vrai? Regarde. Ça dépend dans quel sens tu regardes. C'est chameau d'onzi. Ah oui? Comment c'est un petit oiseau? Mais quand tu regardes de travers, c'est un oiseau. Où ça, c'est un oiseau? Mais. Tu le vois pas l'oiseau là? Je le vois que dalle ton oiseau, vas-y, montre-moi, il est où le bec et tout? Non, c'est une mouette. Ah, t'as aucune image. Non, la mouette. Non, la mouette, c'est quoi? C'est un reptile? Non, c'est juste ça. Une mouette, c'est un oiseau. Non, mais c'est juste ça, c'est pas un truc de traviole comme tu l'as fait. Il a des longues ailes. Mais ça existait en 90, c'est juste qu'après, une fois. Ouais, le réchauffement climatique, genre, bien sûr. Espèce éteinte. Bien sûr. On appelait ça les pélis géants. Les quoi? Des pélis géants. C'est comme un pélican. Va faire du kung-fu, attendez. Là, il se passe quelque chose de pas mal, là. Papa, pourquoi tu lui fais ça? Là, je monte sur le lit et je fais des vrais trucs, attention. Attends, vas-y, monte. Ça, c'est des techniques de combat avancées, hein. Toi qui es ceinture noire de taekwondo, juge la technique. Déjà, une grande détente. Un équilibre. Ouais, franchement, un équilibre parfait. Regarde le coup de pied. Ah, juge le coup de pied. Déjà le pivot. Déjà le pivot sur le pied, mec. Et il était présent. Le pivot sur le pied pour être stable et tout. Alors, Kevin passe du temps avec Henri. Coucou. Mais... Coucou, bébé, où là? C'était joue. Attends, je suis désolé. T'es un enfant, tu vois un bébé comme ça avec des énormes joues. Sois honnête, tu sais pas que ce bébé, c'est toi. T'as vu les joues? Oui, c'est vrai, j'ai des belles joues. Mais je les ai encore, hein, Alors là, ce que vous entendez, c'est mon surnom en chinois. Mon prénom, c'est Ke Liang, et mon surnom, c'est Un Coucou. Où est la logique? On ne sait pas. Kevin joue au piano à côté d'Henri. Et attention. L'artiste. Simpon dans le cas. Hey. Oh, tu kiffes! Voilà, pourquoi tu fermes ta gueule? Je joue de la merde et tu kiffes! T'as kiffé, t'as souri! Et donc, du coup, j'ai tellement kiffé que. Mec, t'es pas prêt. Kevin appro. T'as kiffé comment j'ai joué? Du coup, je t'apprends à jouer! À l'aide! Tu vois? À l'aide, les gars! Mais c'est le rôle d'un grand frère, c'est d'apprendre au petit frère! Mais pourquoi t'as une cape? Parce que je suis ton héros! Mais what the fuck? T'as failli m'arracher la jambe! Mais je t'apprends à jouer au foot! Ça va pas la tête! Je veux que tu perces! Mais ça va pas la tête! Je t'apprends à jouer au foot, regarde! Mais t'allais m'arracher la jambe! Mais non, regarde! C'est comme ça qu'Mbappé il a commencé. Mais il a rien tenu. Mais tu crois mais t'allais déboîter au niveau de la hanche. Mais tu crois le père d'Mbappé il l'a fait comment? Mais il l'a pas fait comme ça. Bien sûr que si. Regarde, t'as réussi tout seul. Là tu pleures et les parents ils me demandent de venir te faire rire et te consoler. Ok, tu vas réussir ou pas? Et regarde ça marche. Je suis pas en train de rire, mec, ça marche rien du tout. Gros, tu pleurais comme une merde. Là t'étais au bout de ta vie, tu vois. Et là j'arrive, et là regarde le changement d'émotion. Je pense que je comprenais pas grand chose à ce qui était en train de se passer en vrai. Mais non, mais bien sûr que si. En une soirée, je t'ai appris à jouer au piano, je t'ai appris à jouer au foot et je t'ai consolé. Regarde, ça c'est la tête de quelqu'un qui est consolé, ça, tu vois. Je suis pas d'accord. Ah bah si. Je vous laisse dire dans les commentaires, mais moi je suis pas d'accord. Tu vois, mais c'est que de l'amour. C'est que de l'amour. Non, mais arrête. C'est que de l'amour. Là, les gars, là, c'est la première année, d'accord? C'est même pas la première année, c'est les premiers mois. Attendez qu'on commence. Ça, c'est ingrat. Non, mais en fait, au bout d'un moment, il va y arriver le moment où on va commencer à se disputer pour des jouets. Et c'est à partir de là où tu as commencé à devenir méchant. T'es au courant de ça? Franchement, j'en ai aucun souvenir. Eh, donc, ça te dit rien, Cuny? T'es sûr? Parce que je suis pas mauvais en ça, hein. Je dis ça, mais tu sais, j'ai une petite technique comme ça, là, tu vois. C'est quoi ton fruit sur fruits? Alors là, joli. Tu sais quoi? Pas mal, hein. Joli. Bravo.
Oh, il y a pas mal de trucs en 99. Les gars, ça commence à être bien. Attention, les gars. La masterclass. On va commencer tout de suite très fort en 99 par une vidéo où Henri parle chinois. Attends, fais voir. Donc là, j'ai parlé chinois. L'interview commence maintenant. Tu es là, Léa. Tu sais dire Chuchu Daxia pour Spider-Man. Je sais lire en plus. Donc là, je vais regarder Spider-Man. Ouais. Mais il veut que tu chantes une chanson d'abord. Attends, mais j'avais du vocabulaire. Il te dose, il te fume. Maman, c'est Tiekog. Tiekog. Dis Tiekog. Tier, tu connais le verbe tier? Putain, j'ai... Aujourd'hui, tu ne connais plus le verbe tier. Si Juan Gogama. Écoute après. Donc, on est-ce qu'il aime son grand frère? Il dit oui. Et juste après, regardez comment il suce. Si Juan Gogama. Un diplomate. Non, j'ai fait ça. Pour garder Spider-Man. Voilà, pour garder Spider-Man. Très très intelligent l'enfant. Démoniaque. 300 IQ. Démoniaque. Là, t'as vu que ton plan il a pas fonctionné, t'es là, mais comment ça, pourquoi? Moi je veux pas chanter, moi! J'adore! Non, mec! Il t'éclate, il t'explose! Je savais même pas que je connaissais cette chanson! Cherche pas, il te fume! Là, je souffre, là, je veux juste regarder Spider-Man. Voilà, c'est bon, j'ai chanté, t'es content? Allez, mets-moi Spider-Man là, putain. Ok, les gars, attention, deuxième vidéo où on entend Henri parler en chinois. Donc là, t'as 3 ans et 2 mois. On revient de Guadeloupe et papa nous demande comment s'est passé le voyage. Je vais demander à Didi. Didi a vu les 4-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 
Moi j'ai joué en tout cas, regarde. T'es tout content. T'es trop content. Tu vois que t'étais pas un si bon grand frère que ça. Moi je... Aujourd'hui, si on a pu faire cette vidéo, c'est parce que je me suis tapé 30 heures de dérush. C'était pas pour moi. C'est juste... Pour moi. C'était mais c'était pas juste pour, moi. Pour toi. C'était pour ta vidéo. Mais c'était juste pour toi. C'était pour ta propre vidéo. Quelle vidéo? Bros. Bros, c'est quoi? Sur la chaîne Kevin Tran. Oh, tu veux dire Kevin Tran? Et voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Sondage, Kevin est-il un bon frère? Je vous laisse le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, on en refera d'autres, hein. On a plein d'autres cassettes à regarder. Ouais, enfin il dit ça, c'est encore moi qui vais les trier. Hein. Merci encore à Fruits d'avoir sponsorisé cette vidéo. Je vous rappelle que si l'application vous intéresse, vous avez un lien dans la description. Et comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser un pouce bleu. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Peace.